Bonjour. Alors, moi c'est Kevin, un bitcoiner, un toxique maximaliste, comme on en fait. Et puis je suis là pour vous parler de bitcoin, des attaques étatiques, un peu de la raison d'être de bitcoin. Comme je suis toxique, mon seul but dans la vie c'est de casser ce que les autres font, bien sûr. Et donc le panel d'avant qui parlait d'accepter bitcoin en tant que commerce, bon, on va en parler, mais ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà, c'est ce qu'on va couvrir. On va couvrir le pourquoi du bitcoin, comment ça s'intègre dans un environnement, ce qu'on appelle adversarial, puisque bitcoin a été construit pour ça. Et puis voilà, est-ce qu'on peut s'en sortir ou pas? Donc du coup, une autre slide, le Capitole aux US. Donc le bitcoin, qu'est-ce que le bitcoin? Vous avez dû entendre parler de ça plusieurs fois déjà en deux jours. Donc le bitcoin, c'est en quelque sorte la séparation de la monnaie et de l'État. Le principe du bitcoin, c'est un principe qui a déjà été utilisé dans le passé, c'est que l'État, il gagne de plus en plus de pouvoir avec la technologie en termes de contrôle de la monnaie et de ce qu'on en fait. Donc il y a différentes lois qui existent au fur et à mesure qui sont intégrées, qui sont ajoutées dans tout ce qui est les restrictions, les banques centrales, etc. On avait du cash. Alors le cash, c'est cool parce que le cash, vous pouvez en donner à n'importe qui. Vous n'avez pas besoin de demander qui c'est ou il n'a pas besoin de demander une autorisation pour l'utiliser. Si vous avez un gamin de 10 ans, vous pouvez lui donner un billet de 10 balles et il peut aller acheter des bonbons. Faire ça avec une carte bancaire, c'est un peu plus compliqué. Et donc forcément, il y a les utilisations comme ça, mais il y a aussi les utilisations un peu plus problématiques où il y a des gens qui sont interdits bancaires pour une raison X ou Y. Donc tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué de vivre au jour le jour, aujourd'hui. On a aussi, bien sûr, les problèmes de paiement à distance, puisque le cash, c'est pratique quand on se connaît pair à pair, mais ça devient très difficile de franchir les frontières, ça devient très difficile d'envoyer de l'argent ailleurs sans être tracé. Et du coup, y a un business model qui est là, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose qui permet de faire des paiements sans que l'État y mette son nez dedans tout le temps? Et ce système qui pourrait bien sûr aider toutes les personnes qui sont bloquées, tous les interdits bancaires ou tous ceux qui n'ont pas de passeport, ce qui existe aussi sur la planète. On ne fait pas Bitcoin juste pour les gens comme nous où tout se passe bien. Mais Bitcoin, ce n'est pas le premier. Il y a eu des tas de business, de projets qui ont été faits avant pour que justement les gens puissent transférer de l'argent en ligne, du cash numérique, souvent pour des trucs illégaux. Donc ces projets, vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a du e-cash avec les Chaumian Bank, il y a des projets techniques genre le e-gold, on a eu des trucs très dodgy qui s'appellent par exemple Liberty Reserve, où en gros c'est une banque mais qui s'en fout, voilà, elle ne va pas vous demander KYC, juste avoir des dollars, on va vous issue des Liberty Reserve dollars et puis vous faites ce que vous voulez avec. Et donc c'est pas mal parce que ça vous permet de résister à la censure, et c'est n'importe qui peut en avoir, peut en acheter, pas besoin de fournir de passeport. Donc le cash numérique, c'est un peu l'idée, c'est un peu le use case. Bien sûr, ces trucs-là, c'était pas nécessairement moins cher à utiliser ou plus rapide à utiliser, c'était pas le but. Le but, c'est de répondre à une problématique réelle qui est comment on fait pour bouger de l'argent sans que l'État il ait son mot à dire sur ce que je fais avec mon argent. Le truc, c'est que ça crée aussi d'autres avantages qui sont un peu plus emmerdants pour l'État que juste la censure. Il y a notamment le fait que, comme le cash, même chose, si vous êtes marchand, que vous acceptez du cash, le cash, c'est très facile de ne pas payer de taxes dessus. Et on a du coup les mêmes problèmes sur le cash numérique. Donc l'État, il n'est pas très content quand on commence à avoir des trucs comme ça. Il y a aussi tout ce qui est saisi. Ça devient très compliqué de saisir de l'argent quand c'est sous forme de cash numérique. Donc forcément, quand vous commencez à taper un petit peu dans la liberté, dans ce que l'État peut faire, etc., il n'est pas très content. Et du coup, tous ces projets qui étaient un petit peu plus tôt, donc soit ils ont fait faillite pour une raison ou pour une autre, soit on est allé les taper très fort, et généralement, taper très fort, ça veut dire aller directement en prison. Donc c'est ce que fait l'État, généralement, quand ils peuvent, quand on commence à les emmerder un petit peu trop, on frappe à votre porte, on vous met en prison, on saisit les fonds, et puis c'est la fin du projet. Donc si c'est ce qui s'est passé bien avant. Ça a continué, l'innovation bien sûr, et puis il y a le mec qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui nous a sorti un truc où l'État ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on sait pas trop qui allait mettre en prison, ou en tout cas on peut pas vraiment saisir les fonds, éteindre le serveur, c'est un truc décentralisé, la vie est belle.
Donc Bitcoin, c'est à peu près la même chose, hein. Cash numérique, on a la saisie qui est plus possible, ou en tout cas compliquée, les taxes qui sont très compliquées, et en plus de ça, le Bitcoin, ben, c'est une nouvelle monnaie, c'est pas basé sur le dollar ou sur l'euro. Et du coup, c'est aussi résistant à l'inflation, l'inflation monétaire. Je parle pas du CPI, je parle pas des prix qui montent, je parle de l'inflation monétaire. Donc l'État qui veut imprimer 20% de masse monétaire en plus, ben, vous n'êtes pas impacté. En tout cas, vous n'en avez rien à voir. Voilà. Vous êtes tranquille. Alors que ça, c'est un des outils qui permet notamment à l'État de taxer le cash, ce que les gens ne se rendent pas vraiment compte. Et donc, bon, bah, on crée un truc qui va vraiment emmerder les États. Là. On est sur quelque chose où on empêche l'État de vous taxer, ou en tout cas, tout ce qui est non volontaire, bah, c'est enlevé. Donc forcément, les États, ils ne vont pas laisser faire. On n'a pas encore trop d'attaques, ce qui est assez surprenant. Ça fait vraiment des années hein, qu'on est sur Bitcoin, ça doit faire 13 ans là. Voilà, c'est assez bizarre qu'ils nous autorisent à bosser comme ça, à créer des outils qui permettent uniquement de bypasser le pouvoir de l'État, de contourner le pouvoir de l'État. Donc c'est ce que Bitcoin est. Bitcoin, c'est pas la petite monnaie pour aller payer le marchand au coin de la rue. Ça n'a jamais été le but. Bitcoin, c'est pas la monnaie plus rapide, c'est pas la monnaie moins chère. Bitcoin, c'est la monnaie qui résiste à la censure. Et c'est la priorité de Bitcoin. Donc, c'est pour ça que le développement aussi, il est relativement lent, il est relativement complexe. Les éthéristes, ils râlent comme quoi on ne peut pas faire de smart contract, c'est compliqué, blablabla, on ne va pas changer les trucs. Non, nous, on s'en fout, on veut juste faire de l'argent qui soit résistant à la censure. Et forcément, bah, on s'attend qu'un jour ou l'autre, l'État, il va attaquer. Donc, nous, on essaye de faire un truc qui va être résistant à ce moment-là. Et ça veut juste dire que la thèse de Bitcoin, tout simplement, c'est que c'est de l'argent de marché noir. On n'essaye pas de faire un nouvel argent, enfin, de la nouvelle monnaie globale. Enfin, il y a des gens qui vont aller vous dire ça sur Twitter. Mais l'idée de base du développement de Bitcoin, c'est de l'argent de marché noir qui est capable d'opérer en marché noir sans qu'on soit capable de fermer une entité centralisée et donc d'arrêter le réseau. Donc vraiment, est-ce qu'on est capable de continuer à faire opérer le réseau même sous attaque étatique, y compris coordonnée entre les États? Donc si l'IMF un jour décide, il faut vraiment arrêter le Bitcoin parce que là, on est en train d'imprimer de l'argent dans tous les sens, mais ces mecs-là, ils payent pas de taxes dessus. Ce qui va arriver, et ben voilà, nous il faut que le système il continue à tourner. Le problème c'est que là on est un peu au pays des bisounours et qu'on est dans une industrie complètement insensée. Enfin, je veux dire, si vous avez écouté ce que je vous ai dit jusqu'ici, qu'on est en industrie de marché noir, moi je suis là devant vous en train de vous parler de marché noir sur le toit du casino. Enfin, je veux dire, bonjour quoi. On n'est vraiment pas du tout encore dans cette idée de marché noir, malheureusement. Donc les développeurs, c'est vraiment leur focus, c'est vraiment leur. Leur centre de développement, ça reste de penser toujours qu'est-ce qui se passe si on est attaqué. Et malheureusement, on n'est pas encore attaqué. Enfin, malheureusement. Heureusement, malheureusement. Puisque le fait qu'on ne nous attaque pas, ben, c'est très difficile de dire mais pourquoi on met autant d'efforts à cette résistance à la censure? Pourquoi on ne fait pas des trucs plus innovants comme vont le faire les shitcoins? Mais en fait, le truc, c'est qu'on veut vraiment que ça marche, y compris sous attaque. Donc les échanges, forcément, KYC, les premiers trucs, si l'État débarque, les échanges, ils sont fermés. Ou en tout cas, ils sont taxés. Peut-être que les personnes vont aller en prison. Les mineurs qui postent sur Twitter les photos de leur mining farm géante au milieu du Texas ou ailleurs, en mode « Waouh, c'est magnifique, on est juste à côté de la production d'énergie. » Si c'est banni ou si c'est saisi, ils sont dans la merde. Mais le problème, c'est qu'en créant ça, nous aussi, ça nous met dans la merde, d'un point de vue réseau. Donc les bitcoiners vont vous dire « Non, c'est pas un problème, il y aura des mineurs honnêtes, etc. » C'est pas aussi simple. Et le problème et l'idée, c'est que ben, on essaye toujours d'avoir cette mentalité, puisque si on est trop en mode bisounours, si on est trop en mode « Non, tout se passe bien, on se défendra plus tard », et ben on va vraiment être dans la merde, parce qu'on n'aura pas les outils pour se défendre. Et la centralisation du mining, le fait que les développeurs soient tous connus et viennent à des conférences et parlent comme ça, le fait que tout le monde dans la salle probablement utilise des échanges KYC où vous donnez votre passeport, etc. Donc l'État peut aller les voir et demander qui a des bitcoins. Vous voyez un peu le problème qu'on est en train de créer là. Donc je sais pas, je peux faire une comparaison, mais qu'est-ce qu'il y a de black market, enfin de marché noir aujourd'hui? Les drogues, trafic d'armes. Est-ce que vous seriez ici, là, au casino, en train de parler d'une nouvelle drogue qui n'a pas encore été bannie par l'État? Et on est là en train d'en parler, ouais c'est trop bien, tu peux acheter la drogue et tout, et on paye pas de taxes. C'est un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc voilà. Et donc du coup, jouer le jeu c'est un peu la mauvaise idée. Donc jouer le jeu c'est quoi? Jouer le jeu c'est acheter votre bitcoin, ou même vos cryptos, hein, parce que je pense que les autres vont tomber plus vite. Acheter vos bitcoins sur des échanges où vous donnez votre passeport. Parce que le jour où il y a un problème, ben, on va venir taper à votre porte. Donc ça c'est pas cool.
Les taxes, c'est un petit peu plus important et intéressant. Parce que les taxes, bon, bah, c'est illégal de ne pas les payer. Donc si vous ne payez pas vos taxes, probablement vous irez en prison aussi. Par contre, on a encore de l'arbitrage géographique. Donc vous avez des endroits où vous n'avez pas besoin de déclarer vos bitcoins. Et donc ça, c'est un endroit... Enfin, c'est une idée assez intéressante. Puisque si vous commencez à déclarer vos bitcoins, bah, l'État, il sait combien vous en avez. Et le jour où c'est illégal, bah, il viendra vous chercher. Dans les endroits où vous n'avez pas déclaré vos bitcoins, bah, l'État, il n'en sait rien. Et ce qui va se passer, la question, ce n'est pas si, la question, c'est quand. C'est que l'État, bon là j'ai mis l'État, mais c'est État en général, hein, ça peut être n'importe qui, ça peut être les Chinois qui bannissent Bitcoin encore, ça peut être les Américains qui décident de taper dessus, ça peut être une coordination entre les différents États au travers de l'IMF ou d'autres organisations. Donc l'État, ça peut être les États, d'accord ? J'essaye de ne pas séparer juste la France, enfin, mettez-vous dans une mentalité un peu globale. Il y a plusieurs façons de le faire. Ils ont vraiment beaucoup de façons de le faire, d'ailleurs. Donc le plus simple, c'est la loi. Vous l'avez peut-être vu récemment avec l'OFAC et donc l'affaire Tornado Cash. On va faire une petite loi. On va dire, allez, c'est pas bien le money laundering. Et puis on va juste mettre un mec en prison. Bon, là, c'était facile. Et encore, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils sont juste allés chercher un mec. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on n'a pas grand-chose à faire. On peut espérer que ça va bien se passer, qu'il y aura assez d'organisations pour le défendre. Mais là, a priori, on ne sait pas. Il va peut-être passer sa vie en prison. On en a eu d'autres avant lui. Il y a les taxes. Donc les taxes, ça peut être juste mettre des taxes très lourdes sur l'opération de ce genre de service qui vont faire que bah, l'utilisation, finalement, elle n'est pas rentable. Et que les gens, bah, ils ne vont pas l'utiliser puisque c'est peut-être moins cher de transporter du cash dans des valises que d'utiliser Bitcoin. Peut-être. Ensuite, il y a les attaques sur les médias. Ou à travers des médias. Donc dans les early days, dans le début de Bitcoin, il y avait beaucoup de « le Bitcoin, c'est pour le terrorisme ». Bon, tout le monde s'en foutait du Bitcoin, donc ça va. Maintenant, c'est « le Bitcoin, c'est mauvais pour l'environnement ». Bon, alors là, ça commence à être chiant parce que l'environnement, c'est quand même un gros sujet. Alors d'aujourd'hui, en France, ben, l'électricité, ça y est, vous dépassez les 1000 balles du mégawattheure. Qu'est-ce qui va se passer quand l'État va décider de faire sa petite campagne en disant « Ouais, mais non, mais c'est les mineurs, ils prennent tout le courant et vous ne pouvez pas vous chauffer cet hiver, alors du coup, on va bannir le Bitcoin ». Même s'il n'y a pas de mineurs en France, ou très peu, d'un point de vue étatique, on peut faire passer une petite loi gentillette disant « Ouais, non, mais là, les gens, ils n'arrivent pas à se chauffer cet hiver, on n'a pas assez d'électricité, donc le mining de Bitcoin, il est interdit ». Et puis les gens qui sont identifiés, je ne sais pas, Seb dans la salle ou je ne sais pas qui, des gens qui ont des entreprises de mining, bah, ils vont peut-être avoir des problèmes. Donc voilà, des petites choses qu'ils peuvent utiliser, gentillettes, et qui vont nous mettre dans la merde. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a deux sources d'attaque et deux choses auxquelles s'intéresser. Il y a les attaques sur les individus et les attaques sur le réseau lui-même, enfin, le protocole en lui-même. Donc forcément, Bitcoin, les développeurs, etc., leur seul boulot, c'est de faire en sorte que Bitcoin résiste sous attaque. Les gens, on s'en fout, c'est pas le problème. Donc les gens, c'est vous, c'est à vous de vous protéger. C'est pas au protocole de vous défendre. Donc si vous mettez tous vos bitcoins sur des échanges, ils vont être saisis, et puis tant pis pour vous, votre vie elle est peut-être ruinée. Le protocole, lui, s'en fout, ça marche toujours. Donc du coup, les individus, il y a beaucoup d'attaques, hein, comme je l'ai mentionné. Il y a les attaques de base, les banques qui vont juste refuser de tous les transferts qui sont liés aux échanges. Donc c'est déjà plus ou moins le cas dans certaines banques, etc. Ça peut être juste enforcé, ça peut être juste une notice de la banque centrale ou des banques centrales, hein, je parle encore de tous les pays, qui vont juste dire « Ouais, non, les échanges Bitcoin, vous ne laissez pas les transferts passer. » Et bien là, c'est tout de suite emmerdant pour beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui n'utilisent pas Bitcoin dans une idée de marché noir. Tous ceux qui utilisent Bitcoin juste parce qu'on peut faire du profit, etc., ça devient vite compliqué si vous ne pouvez plus sortir votre argent des échanges ou le faire entrer. Ça va être compliqué d'aller voir votre dealer de coin de rue pour changer un bitcoin en 20 000 balles en cash. Voilà. Donc vous imaginez un peu les idées, comment des petites choses comme ça peuvent vraiment rendre l'utilisation très difficile. Donc les échanges, hein, pareil, il y a la saisie, il y a forcer le KYC, Know Your Customer, je ne sais pas comment le dire en français, l'identification. Les protocoles type OFAC, donc censure de certaines adresses ou de certains participants, la grosse étape, c'est de commencer à avoir ce genre de censure. C'était vraiment le gros truc. Pour un gouvernement, d'aller voir les échanges et de dire « vous allez restreindre les transferts vers ces adresses », c'est beaucoup plus difficile que la prochaine étape qui va être de dire au gouvernement «
Bon, bah, vu que vous êtes capable de bloquer les transferts vers certaines adresses, on va prendre le problème à l'envers. Vous allez juste autoriser que les transferts qu'on connaît, d'où ça va et où ça va. Et donc, vous avez peut-être entendu parler de ça en Europe, hein, le coup des, bon, je vais le traduire, mais des wallets, des unhosted wallets versus les hosted wallets, donc les portefeuilles qui sont hébergés ou non hébergés. Donc, c'est une grosse discussion qu'il y a eu, notamment auprès, enfin, voilà, des régulateurs en Europe. Et voilà, on est en train de parler d'identification pour pouvoir envoyer des paiements sur Bitcoin. Ça n'a pas de sens d'un point de vue protocolaire, mais d'un point de vue amende, d'un point de vue prison pour les développeurs ou les gens qui vont l'utiliser ou les business qui le font, ça va vite devenir problématique. Donc encore une fois, est-ce que les business qu'on est en train de créer, est-ce que les discussions qu'on a dans ces conférences, est-ce qu'on a le moindre sens dans l'idée de base de Bitcoin qui est, on est sur une idée de marché noir ? Donc on peut avoir des interdictions pures, hein, à savoir Bitcoin est interdit, mais je ne parle pas nécessairement de ça, ça peut juste être des trucs type OFAC, type on autorise uniquement les transferts, ou légalement il est autorisé uniquement de faire des transferts qui sont identifiés, ça peut vite être problématique pour l'industrie. Et l'industrie, c'est nous, hein, c'est moi, mon entreprise qui bosse sur Bitcoin, c'est StackInsat qui host cette conférence, ça n'aurait plus de sens tout ça. Mais Bitcoin, comme je disais, Bitcoin, le réseau, Bitcoin, le protocole, ils s'en fichent. Le but de Bitcoin, c'est vraiment, ça a été construit pour ça. Ça a été construit pour survivre les attaques. C'est vraiment toujours notre focus. Ça fait des années. Mais ça ne veut pas dire que c'est si simple que ça. Donc c'est là que ça devient un petit peu plus difficile d'avoir ce genre de conversation, puisque beaucoup de personnes vous disent « Non, mais Bitcoin, ce n'est pas un problème, c'est pas cassé. » on peut avoir les États qui nous attaquent, ça va marcher très bien, on va passer à travers, on sait comment ça marche, on peut forquer les mineurs s'il y en a trop qui sont méchants, etc., etc. Bon, c'est pas vrai, on galère. Donc, d'abord, il y a les devs. Alors les devs, c'est entre les individus et le réseau, mais à l'heure d'aujourd'hui, les devs, ils sont connus. À l'heure d'aujourd'hui, on a toujours des conférences. À l'heure d'aujourd'hui, les devs, ils se rassemblent, ils vont à des endroits, ils discutent de Bitcoin. Le jour où il y a un gros crackdown sur Bitcoin, c'est extrêmement facile d'aller attaquer ces devs, que ce soit leur dire gentiment « Bon, tu n'as plus le droit de travailler sur Bitcoin » ou plus méchamment « Bon, tu as développé un outil de finance sans respecter les réglementations sur les transferts monétaires et du coup, de base, c'est casse-prison et on verra après pour le jugement. » C'est tout à fait imaginable. On a différents types de développeurs, c'est pareil sur les autres protocoles. Vous avez peut-être entendu parler de ça plus tôt dans la journée. Donc on a les développeurs, les gens qui contribuent, ça peut être n'importe qui. Ensuite, on a les maintainers, c'est les personnes qui vont ajouter le code directement sur Bitcoin. Donc forcément, on fait du filtrage, on fait un nettoyage et on ajoute le code. Ces gens-là, c'est vraiment la dernière étape et ce sera probablement les premiers à tomber, malheureusement. Et c'est très dommage, parce que c'est des gens, on en a vraiment besoin, ils font un travail ingrat et ils prennent tout le risque. Mais on en est là. Donc les devs, pourquoi ils sont connus? Pourquoi ils ne sont pas tous anonymes? Pourquoi tout le monde n'est pas Satoshi Nakamoto? C'est parce que travailler sur Bitcoin, c'est plus que du temps plein. C'est extrêmement complexe. Et du coup, ces gens-là, ils font peut-être 80 heures, peut-être beaucoup plus par semaine à juste bosser sur Bitcoin. Et il faut bien de l'argent pour se nourrir. Malheureusement, l'argent, c'est un peu difficile à trouver quand on est anonyme. Ça existe aujourd'hui. Il y a quelques devs Bitcoin qui sont anonymes, complètement anonymes d'ailleurs, hein, qui ne vont pas aux conférences ni rien, et qui arrivent à avoir des grants, qui arrivent à avoir de l'argent pour payer leur travail. Mais ça reste quand même extrêmement difficile. Donc la plupart sont obligés de se construire une réputation, de venir à des conférences, d'aller sur scène, etc. Donc on a toujours ce problème de comment on fera si on est attaqué un jour, à l'échelle globale ou à une échelle assez large. Est-ce qu'on est capable de continuer à motiver des gens à rejoindre Bitcoin, à rejoindre le développement? Est-ce qu'on va être capable de leur donner du funding? D'où va venir cet argent? Parce que pour l'instant, ça passe avec des associations, etc. On peut demander du tax discount. Si vous leur envoyez de l'argent, vous pouvez demander un rabat sur vos taxes, comme quoi c'est une association caritative, etc. Ça risque pas d'être le cas dans le futur. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher les attaques étatiques. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que l'affaire Tornado Cash où c'est vraiment une attaque étatique. Nous, sur Bitcoin, on a perdu plusieurs core devs dans les dernières années à cause juste d'un connard qui est personne, qui a juste décidé d'attaquer des devs en justice pour différentes raisons, en se faisant passer pour Satoshi. Et vu le système légal aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller se défendre en justice. Plutôt que de bosser sur Bitcoin, ils sont obligés de préparer leur défense. Ils sont obligés de dépenser leur argent pour trouver des avocats. Ils sont obligés de voyager d'un pays à l'autre pour aller en cour de justice. C'est pas drôle. Et du coup, ça a été fait à l'échelle sur Bitcoin. Il y a vraiment eu des dizaines et des dizaines de développeurs qui ont été menacés. Il y a des entreprises qui sont menacées. Les gros échanges ont été menacés. On parle de Coinbase, Kraken, etc. Tout cela sont en justice pour ce truc.
C'est horrible quand on est une personne et qu'on a affaire, sans aucune raison valable, qu'on est attaqué par quelqu'un qui n'a rien à voir dans toute cette histoire, et on doit se défendre à coups de millions de dollars, c'est vraiment compliqué. Donc on n'est déjà pas résilient à ce type d'attaque. Comment on peut se dire Bitcoin est résilient contre les attaques étatiques? Genre on est encore dans le monde des licornes. Je vous encourage à aller sur defendingbtc.com, qui est le fonds qui est utilisé en ce moment pour financer l'affaire de Audlenaut. Et Audlenaut est en dernière étape, en cours de justice à Londres, pour se défendre contre cette personne qui attaque tout le monde. Et ce procès est extrêmement important. Donc il y a une levée de fonds de 2,5 millions pour financer juste ce procès, qui en fait partie de plusieurs années. Donc si vous avez un petit peu d'argent, c'est très 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 important pour la communauté Bitcoin que ce procès-là se passe bien, puisque sinon on est en train de légitimiser des attaques de ce type, et c'est juste pas acceptable. Après, il y a encore pire, bien sûr, il y a les mineurs. Alors malheureusement, sur Bitcoin, le plus gros problème, à mon avis, qu'on a aujourd'hui, faut que j'accélère un petit peu, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui sur Bitcoin, ça reste la centralisation du minage, du mining. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que c'est généralement moins cher à l'échelle de faire du mining. Donc il y a des avantages de la propagation des blocs dans le réseau. Plus vous êtes gros, plus vous êtes centralisé, plus vous allez générer d'argent. On a aussi ensuite le coût de l'énergie. Donc bouger vos opérations de mining à côté de la production d'énergie, là où elle n'est pas utilisée, sera beaucoup moins cher que de miner à la maison. Donc on a énormément de centralisation du mining. Et malheureusement, c'est des investissements, vous voyez la taille du truc, hein, c'est des investissements qui demandent des milliards. Et donc ce sont des entreprises qui sont maintenant souvent cotées en bourse. Donc on est allé très loin. C'est plus des entreprises privées, c'est des entreprises cotées en bourse qui vont faire ça. Là, on est aux US, d'accord ? Donc si les US décident demain, ouais non, le mining on veut plus, ou le Bitcoin on veut plus, ça va pas bouger. Ça va pas être comme en Chine où ça a été fait un peu à l'arrache, où il y avait des camions qui passaient la frontière avec les mineurs. Donc ça va être saisi. Les gens qui ont investi dans ces entreprises en bourse, ils vont tout perdre. Et l'État peut potentiellement attaquer le Bitcoin avec ce genre de machine, en espérant, nous en tout cas, qu'il y ait moins de 51% du réseau qui attaque le réseau. Acheter des mineurs ou les autres solutions que les bitcoiners vont vous donner en mode « ouais non, c'est pas grave, ils vont se ruiner ». Non, s'il y a plus que 51% du réseau qui est comme ça, c'est très très dur pour nous de nous coordonner et de se défendre. C'est faisable, on va gagner sur le long terme, mais on va peut-être perdre 5 ans. Et si pendant 5 ans, il n'y a pas de transactions sur le réseau Bitcoin, ça va être compliqué. Voilà, niveau prix, ça va être compliqué. Niveau justifier, vous dépensez votre argent pour miner à la maison, pour essayer de battre les 51% du réseau que les États vont avoir, c'est compliqué. Acheter des mineurs, si c'est banni, ça va peut-être être très compliqué. Les gens qui fabriquent les mineurs, alors, regardez la différence d'échelle quand même. Là, on est sur un truc qui est immense. D'accord ? Ça, c'est une ferme de minage. Là, on est sur un truc qui est, je ne sais pas, plus que immense. C'est là qu'on fabrique les ASIC. Donc ça, c'est TSMC. C'est une boîte à Taïwan. En gros, c'est les meilleurs à faire les ASIC. Ils ont 4-5 fabs comme ça, qui sont très grosses. Alors forcément, ils sont à Taïwan, donc vous imaginez bien que s'il y a une attaque étatique, eh ben là, ça devient sympa, puisque c'est un peu chaud, les relations à Taïwan. On peut très bien imaginer qu'il y a des États qui s'arrangent pour que, bah, si un jour il y a des bombes qui tombent à Taïwan, bizarrement, elles tombent là-dessus. Si ça tombe, on n'est pas capable de reconstruire ce genre de truc en moins de 10 ans. Enfin, c'est des investissements monstrueux. Donc si on arrive à coordonner des attaques sur les mines et sur les fabricants, c'est foutu. C'est foutu. Donc ce genre de truc... On a beau parler de « ouais, non, mais l'économie, ça fait qu'on va réussir toujours grâce aux transaction fees, aux frais de transaction, à battre les censeurs », c'est pas aussi simple que ça quand les censeurs, ils ont des armes, ils ont des tanks et ils peuvent aller juste... Voilà, on peut pas bouger un building comme ça, quoi. Il y a d'autres attaques, beaucoup plus simples pour l'État, beaucoup plus difficiles pour les utilisateurs lambda, à savoir sur Internet et le web. Sur Internet, c'est très facile de découvrir qui est connecté ou qui a un nœud à la maison, voilà, tout simplement. Il suffit de regarder un peu comment les blocs bougent. C'est très facile de savoir que là, ah bah tiens, toutes les 10 minutes, ce mec-là, il a un gros paquet de data qui passe. Il a probablement un nœud Bitcoin à la maison. Donc ce genre de trafic, on va être capable de le filtrer, malheureusement. Et puis c'est pas tout le monde qui va utiliser Tor, surtout que Tor, c'est moitié pété aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'on est toujours sur des trucs où la défense est très compliquée dans ce genre d'attaque. Sur le web, même chose que Tornado Cash, l'État peut aller juste appeler GitHub et dire « bon, bah, vous allez juste bloquer tout ce qui concerne Bitcoin ». Comment on fait pour communiquer le software, enfin pour distribuer les logiciels, ça devient très compliqué. Alors oui, on a des outils, c'est pas impossible, c'est juste que les gens comme vous et moi,
vont peut-être galérer à trouver le bon Bitcoin. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre téléphone, aller sur Google Store ou sur l'App Store et télécharger vos wallets Bitcoin. Non, ils vont être bannis. Ils ne vont plus être là. Donc comment vous allez faire pour l'utiliser, le Bitcoin ? On est vraiment sur comment on fait quand on est attaqué ? On va être attaqué. Donc du coup, la protection, ce n'est pas quand on est attaqué, ce sera déjà trop tard. La protection, c'est dès maintenant. Alors la protection, c'est éviter autant que possible le KYC. Éviter autant que possible de donner, enfin de dire sur une liste combien de Bitcoin vous avez. Ce qui est à peu près le cas des échanges. Si vous pouvez apprendre à utiliser ce qu'on appelle les mesh network, qui vous permettent d'envoyer des données à travers les ondes radio plutôt que d'utiliser Internet, c'est pas mal. Donc c'est technique, mais autant l'apprendre maintenant que plus tard. Utilisez des VPN, utilisez Tor. Bon, Tor, comme je vous disais, c'est un peu pété en ce moment. Apprendre l'anonymat, mais l'anonymat, c'est extrêmement difficile de le garder sur la durée. C'est facile d'être anonyme sur une transaction, c'est difficile d'être anonyme quand vous êtes développeur. Donc malheureusement, l'anonymat, faites au mieux, mais considérez pas que ce sera parfait. Enfin, c'est quasi impossible d'être parfaitement anonyme. Faites tourner un nœud à la maison, si possible, parce que s'il y a des attaques, choisir la bonne chaîne, c'est un peu compliqué si vous n'avez pas un nœud. Donc, not your key, not your coin, mais aussi ayez votre nœud à la maison. Miner, c'est plus compliqué, parce que miner, comme je vous le disais, c'est à perte en général à la maison. Mais d'un autre côté, la seule défense qu'on a contre un adversaire étatique qui va aller saisir les grosses fermes de minage, c'est pas de faire une grosse ferme de minage ailleurs. Elle va être attaquée d'une façon ou d'une autre aussi. Ça va être que juste le maximum d'utilisateurs et des mineurs à la maison, peut-être juste un mineur. Mais celui-là, il va être beaucoup plus facile à planquer qu'une ferme de minage qui a la taille de plusieurs terrains de football. Donc probablement, un des seuls moyens de faire survivre le Bitcoin sur le long terme, c'est que les gens fassent tourner très peu de nœuds dans des endroits, enfin partout en fait. Voilà. Les citadelles, alors les citadelles c'est un mime sur Bitcoin, mais ça va peut-être exister un jour. C'est, si on arrive à avoir suffisamment d'argent de côté, peut-être qu'on va avoir notre propre état, ou en tout cas cité-état, qu'on va pouvoir défendre contre des adversaires étatiques, mais on n'y est pas encore. Donc le problème, c'est que Bitcoin vous offre des libertés. Alors il y a des pays qui sont moins contents de ces libertés que d'autres, donc la Chine, le Chinada, c'est un peu... Voilà, il y a des problèmes. Il y a de la saisie, des saisies de comptes en dehors de la loi, juste sous prétexte de... allez, plein pouvoir, parce que c'est pas bien les gens qui klaxonnent en ville. On a vite des problèmes comme ça. Donc c'est l'idée de Bitcoin, mais malheureusement, le byproduct, le truc à côté... c'est qu'on ne paye pas vraiment de taxes sur Bitcoin. Si vous avez des Bitcoins et que vous ne les déclarez pas, vous n'allez pas payer de taxes dessus. Et si en plus l'inflation, vous y touchez pas, enfin, elle ne vous touche pas, c'est un problème pour les États. Ça risque de les affamer, surtout si ça fonctionne. Et donc, nous, d'un point de vue développement sur Bitcoin, ce qu'on voit, c'est on se met en mode c'est la guerre, même si elle n'est pas encore là. Parce que si on n'essaye pas d'y réfléchir avant que ça arrive, on n'a aucune chance. Donc, il n'y a aucune garantie de succès. Il n'y a aucune garantie que le prix va aller vers en haut pour toujours. Michael Saylor, il est gentil, mais Michael Saylor, ce sera le premier à perdre son argent qui est en custodian le jour où c'est interdit. Donc voilà, maintenant il y a trois scénarios. Est-ce que ce sera la fin du Bitcoin ? Alors la fin du Bitcoin, ce serait vraiment catastrophique. Je ne pense pas que le réseau mourrait, mais c'est possible que si c'est attaqué pendant 5 ans, qu'il y a zéro transaction qui passe pendant 5 ans, on galère énormément à relancer le réseau ou à le continuer après ça. Le scénario le plus probable, c'est la survie mais illégale, donc opérer en black market, comme ça a été prévu. Ça va peut-être être interdit par les gouvernements, mais si on arrive à continuer à faire tourner le réseau et que le mining il n'est pas tombé, on a probablement gagné. Et on a vraiment probablement gagné si les États continuent à faire de l'inflation comme ils en font en ce moment, puisque là, la proposition de valeur de Bitcoin, ça va être de résister à l'inflation et la quantité monétaire qui arriverait dans le réseau serait juste énormissime. Bitcoin monnaie globale, ça voudrait dire que les États ont abandonné. Que les États se disent, écoutez, on ne peut plus taxer les gens, on va leur demander volontairement de payer des taxes. C'est quoi la probabilité que ça fonctionne ? Je pense qu'on n'est pas loin de zéro. Donc Bitcoin monnaie globale, ça voudrait vraiment dire que les États n'ont plus d'argent, donc ça devient compliqué. Voilà, en gros, mon talk. J'ai une quote de Satoshi aussi, qui lui était un peu plus pessimiste que moi, puisqu'on voit qu'il parle bien d'un petit gain dans une bataille et que ce n'est pas pour toujours. Donc voilà, several years, c'était combien d'années, les quelques années ? Est-ce que c'était 13 ans et que c'est fini aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on est juste au début ? C'est difficile de savoir, Satoshi n'est pas là. Mais je pense qu'on a peut-être de temps pour une question.
faut que je choisisse une personne. Est-ce qu'il y a des questions ? En haut, en bas ? Pas de questions ? Très bien. Si tout le monde est déprimé, c'est bon. Tu... Oh non. Tu parlais de, d'une attaque par du hash rate à un moment, et tu as dit un peu avec confiance qu'au bout d'un moment on gagnerait. Qu'est-ce que tu entends et comment est-ce que tu penses qu'on gagnerait ? Est-ce que tu penses qu'on gagnerait par l'incentivisation du mining en black market avec des transaction fees ? Et est-ce que ce n'est pas un petit peu utopique de penser que des gens vont payer des transaction fees pour un réseau qui ne fonctionnerait pas au début ? Ou est-ce que tu penses par un hard fork de la proof of work qui, je pense, est un raisonnement un petit peu fallacieux ? Non, pas de hard fork de la proof of work. À mon avis, c'est juste que le coût d'attaque peut être vraiment très élevé sur une longue durée. Si on pense à miner des blocs vides pendant 5 ans, ça va coûter une fortune quand même. Donc, est-ce que c'est pas plus simple pour beaucoup de bitcoiners qui pensent qu'on peut gagner de faire tourner un mineur à la maison à perte qui va peut-être coûter quelques centaines d'euros par mois pendant quelques années ? Ok, ça a un coût, mais l'État en face, il doit dépenser quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour continuer son attaque. Donc, je pense qu'il y a un coût à gagner là. Mais ouais, transaction fee, c'est très bien le coût des frais de transaction pour bypass la censure. Mais est-ce qu'on est capable de payer autant de transaction fees, de frais de transaction, pour être plus gros que 51% du mining qu'un État va avoir ? Sachant que s'il y a une attaque sur le mining, l'État a toujours les grosses farms qui sont centralisées, qui sont pas chères en termes d'électricité, alors que nous, on peut pas être en compétition avec des grosses farms. Donc nous, ça va être de l'électricité très chère. Voilà, donc c'est très compliqué comme raisonnement, mais voilà.